Ok les petits potes, je fais la deuxième passe sur les bandes. J'essaye aussi de récupérer l'arrondi parce que c'est hyper important. En plus ici on a le Velux, on a le soleil qui tape là. Ça vient taper ici sur ce mur, sur l'arrondi. Si c'est pas parfait, on va le sentir, ça va se voir. Donc en fait je pars de la courbe et j'amène mon enduit et j'essaie de revenir rejoindre ici en faisant quelque chose de propre. Je vais pas hésiter à faire 3 passes à l'enduit à bande pour récupérer quelque chose d'arrondi. Et après encore passer un enduit de finition pour le ratissage. Mais vous voyez là je pars de ça après avoir fait la bande. Donc il y a quand même à récupérer. Voilà, c'est pas simple mais c'est le moment crucial en fait. Je suis allée chercher une plaque de BA6 chez le roi Merlin que j'ai coupée en deux pour qu'elle rentre dans la voiture parce qu'il nous manquait une petite chute. Et j'ai pris aussi de l'enduit parce qu'il nous en manquait. Et c'est relou quand les voitures pensent que c'est un être humain. Du coup depuis tout à l'heure ça sonne et il faut que je mette la ceinture à mon pot d'enduit quoi. Enfin, relou. Voilà, allez. On a pris une chute de bois pour pouvoir faire les mêmes renforts que l'on a fait là-haut. Mais ici, puisqu'il y a un décalage entre les deux BA6 pour garder une très belle courbe, là, on va mettre un rajout de BA6 là. Et Emilien, il a fait des cales. C'est encore une technique, ça? C'est horrible depuis aujourd'hui. Ouais, mais tous les jours, je vais pas aller chez le roi. C'est ta passion, hein. Ça me fait rire. Tu cherches le moindre excuse pour aller chez le roi, ouais. Ton fief. Vas-y, refais le coin là. Quel coin? Ça? T'es sûr? Attends, parce que je l'entends parler. T'es pressé, hein? Je sais, je connais ma plaque par cœur en fait. C'est moi qui l'ai humidifié avec un mot. Allez. Lui, il faut une vis là, il est tout seul, il est pas bien. Je vois qu'il s'attire sur lui. Il est tout seul, il est pas bien. Il faut les aider, elles s'entraident. Elle te parle. À moi, à moi! Tu sais comment ça sent? Il est fou. C'est moi que tu vas épouser, ça va te coûter cher. L'enfer. Il y a un léger écart. Ici? Ouais. Ah oui, ici c'est pas fini. Oui. Ah tu vois? Oui. Pourquoi faut pas aller trop vite? Mais non, on est bien. Elle craque là, tu l'as vu? Là forcément. Elle est sous pression la petite. Bon, ici on a dit flemme, on met pas de plaque parce que de toute façon on met une plainte. Mais en fait faut arrêter de faire les fainéants. Faut quand même qu'on mette une petite plaquounette. C'est pour le plaisir. Mais c'est pas pour le plaisir, c'est aussi pour le côté acoustique. T'as qu'une planche de BA16 alors que là on a tout doublé. On claque quelques vis et après il y aura la plainte par-dessus. Bah tu peux en mettre une deuxième des vis, hein, juste en dessous. Ouais. C'est bon, après c'est enduit. Pas plus. Les petits potes, je crois que c'est le dernier morceau de placo pour l'extérieur de la chambre. Celui-ci va aller juste ici pour terminer l'arrondi. Regardez-moi ça, ça va venir se loger tranquillement. Oui, oui monsieur, oui, je dis oui. Fini les gars, fini. C'est placo. C'est incroyable. C'est incroyable. Non mais ça change tout, c'est une évidence maintenant. Ouais. Alors on peut se féliciter. Hein. Même l'échafaudage en fait, c'est d'équerre avec la... Ouais, t'allais dire même l'échafaudage, il est beau là. Toi qui on n'arrive plus à se toucher avec. Ouais, lui. On se touche plus. Non, mais là, elle pousse de ouf, hein. Quel bonheur. Alors après, on s'est dit peut-être qu'au map, on pourra continuer la vague, en fait, qui rejoint ce bout-là. Et pas finir brutal, mais on verra bien. C'est peut-être beau comme ça. On va essayer. Franchement, c'est une claque, là. Ça se fond dans la maison, quoi. Ça s'emboîte, en fait. Non, mais même après toi, dans ton bureau, tu vas être tellement bien. Oh, vas-y, j'ai plus envie d'avoir de bébé maintenant. C'est le feu, là. Franchement, on mérite encore de commander ce soir à manger. Alors, je savais. Non, mais moi, là, j'ai besoin de profiter, en fait. Non, mais quand on arrive à un objectif comme ça, il faut. C'est important
demande de se récompenser. Pas faire à manger. Bah, il faut se récompenser par des plaisirs. C'est quoi le plaisir? On sort pas d'ici, on n'a fait que des travaux là. Donc c'est la bouffe. C'est la bouffe. C'est la bouffe. Ce que je suis en train de faire, puisque toute la chambre est isolée. Emilien, il a commencé déjà à plaquer toute cette partie-ci. Mais là, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un rail vide. On peut absolument pas mettre d'isolant dedans, puisqu'en fait, on l'a coincé entre deux rails, puisqu'on a dû faire un renfort pour le mur arrondi. Donc là, on a trouvé une solution, c'est qu'on perce ici le montant. Et après, je vais venir mettre de la mousse PU, histoire que ce ne soit pas un rail vide. On va quand même l'isoler sur toute sa hauteur. Comme ça, tout sera bien, bien, bien isolé. Là, il me manquait juste un petit bout ici et là, et puis je vais le faire après par la suite, comme ça on pourra plaquer et mettre en place toute l'électricité et ce sera terminé. Emilien est en train de positionner la bande ici et juste là, on a le fameux arrondi. Et pour l'arrondi de la buanderie là-bas, en fait, il y avait Maginport qui était ici sur place et il vendait des bandes exprès pour justement ces fameuses courbes. Sauf que nous, on n'en a pas. Donc là, je suis en train de prendre une bande et je vais faire le même système que pour les rails. C'est-à-dire que je vais faire des petits triangles. Et il me semblait que Loïc, sur place, quand il n'avait pas les bandes spécifiques, faisait la même méthode. C'est des petits triangles. Comme ça, en fait, la bande va se plier et se courber en fonction ici de l'arrondi. Donc on va essayer ça et j'espère que ça marchera. Un petit bar. T'as besoin de bar? Non, mais ça fait une petite tablette. Bonjour, on vous sert quoi? Vous voulez un whisky? Ou juste un doigt? Vous voulez pas un whisky d'abord? Allez, petit coup de cutter, le dessus et je bande. C'est le retour de Madame trop pressée. Oh, mais pas du tout, je suis en train de voir si ça rentre. Juste avant envie de la mettre, juste pour le plaisir elle de la mettre. Pareil. Non, on n'avait même non. pas fini la peinture des plafonds, tu mettais tes spots. Hein? Quels spots? Les spots. C'est une blague ou pas? Oh. Vraiment, t'es vraiment une menteuse. Pas. Non, non. Pas. Et toi, tu retournes toujours tout. Bah, c'est parfait. Il y a pile poil ce qu'il faut pour faire un petit joint. Ouais, mais on n'a pas dit l'idée qu'on avait à notre grand public.
L'idée de quoi? Bah, c'est une verrière fixe. Ah oui. Oui, c'est tout un sujet. Alors, en fait, on aimerait faire finalement un ouvrant. Là, on a acheté une verrière fixe et du coup, on a réfléchi à la transformer. En fait, encore une fois, dans l'esprit de cabane et surtout pour l'évolution de la pièce, c'est-à-dire le bureau d'Emilien, on s'est dit que ça pouvait être sympa quand il est dans son bureau, si on est en soirée ou autre, de pouvoir quand même l'ouvrir et ne pas avoir une verrière qui ne sert à rien. Donc en fait, on voudrait ici mettre des charnières et pouvoir ouvrir. Comme ceci. Donc on s'est dit qu'un système ici, avec une sorte de bâton qui est attaché là, ouais, hop, qui on vient ranger sur le côté, on le tire, on pousse avec ce bâton la verrière et on vient le bloquer derrière, ça la maintiendrait ouverte, donc avec des charnières en haut. Mais c'est pour ça que je voulais regarder s'il y avait un petit jeu quand même, pour pouvoir mettre un joint, vous savez, pour qu'il y ait quand même un petit... Vous savez Non. Une fermeture un peu acoustique, quoi, tu vois. La verrière, ça, c'est pas ouin, ouin, ouin. Soit on en met un au milieu des bâtons, soit on en met deux pour qu'elles tiennent, tu sais, deux de chaque côté. Mais en gros, ouais, ce serait bien que ce soit comme ça. Bon, en tout cas, Sarah, t'as bien fait tes calculs, bébé. C'est nickel. Il nous manque des plaques, donc on est obligé de les couper sur place parce qu'on n'a pas de camion. 120, ça passe pas. Donc Emilien découpe. Et on a mis 3 plaques dans la voiture. Et il est content. Ouais, t'inquiète, ça se voit. J'ai foncé la verrière en bois avec du brou de noix. Je n'ai pas mis les verres exprès pour ne pas être dérangée et ne pas avoir à scotcher et tout. Et là, la dernière étape, ça va être de mettre du vernis, puisqu'après, bien évidemment, on va nettoyer les vitres. Donc, il faut absolument protéger le bois pour éviter que ça décolore au niveau du brou de noix. Donc, je vais utiliser le V33 vernis cuisine et bain. Le vernis cuisine et bain V33 protège vos meubles et boiseries de cuisine et de salle de bain. Grâce à sa technologie Teflon protecteur surface, ce vernis offre à vos bois une protection renforcée contre les taches du quotidien. Ceci n'est pas un placement de produit, ce n'est qu'une blague du monteur, alors on n'en a rien à foutre que vous l'achetiez ou pas pour votre santé, bougez plus. C'est le vernis que j'ai utilisé sur la table de salle à manger en bas qui est en suaire et ça protège très bien la table. Donc du coup, c'est ce que je vais utiliser, il m'en reste encore un peu pour la verrière ici. Donc ça, ce sera protégé et hydrofuge. Les amis, j'en profite pour faire un petit focus sur le chambranle de la porte par rapport au mur. Vous avez remarqué, là, on n'a pas pris le même type de porte qu'on avait pris pour les autres chambres. Je vous remonte vite fait. Là, c'était vraiment une porte invisible avec une superbe finition. C'est vrai que c'est quand même un budget. Et là, comme on voulait aller vite en plus, on n'avait pas le temps d'attendre une nouvelle porte. Donc, on est parti sur une porte assez classique de chez Leroy Merlin. Mais c'est quand même un modèle acoustique. Hein. On n'est pas sur un modèle premier prix. Ça vaut quand même peut-être 130 euros. Mais je suis d'accord pour une porte. C'est pas une porte de ouf. Du coup, bah, on a un chambranle classique en bois.
bois, comme vous voyez là. Et pour la finition, ce qu'on a fait, c'est qu'on a triché pour essayer d'avoir le même rendu que les autres portes de la chambre. Donc en fait, on a simplement enduit le chambranle avec le mur. Vous voyez, on l'a fait disparaître. Ici, j'ai terminé de ce côté-là. Donc on se rend bien compte. En fait, j'ai simplement mis une bande ici entre le chambranle et le placo. Je suis venu enduire. Et du coup, on a vraiment une finition au même niveau. Et ça rend plutôt bien. Une fois la porte fermée, ça va donner ça. Évidemment, la porte sera peinte, mais du coup, bah, ça va donner quelque chose de plutôt. Je peux pas la fermer, sinon je serais bloqué. Mais ça va juste donner quelque chose de plutôt bien. Alors évidemment, la porte est pas au même niveau que le mur, etc. Mais déjà, au moins, on n'a pas de surépaisseur. Sinon, en théorie, tu dois venir mettre un champlat ici, donc ça fait une surépaisseur, un petit cadre autour de la porte. C'est pas ce qu'on voulait. Donc voilà, en espérant que ça fissure pas, mais au moins, en tous les cas, on essaye. Ce qui est important, c'est aussi d'expérimenter, et c'est ce qu'on fait. Donc, je suis en train de la poser de l'autre côté. Là, vous allez voir vraiment en détail. Là, je suis à l'étape de poser la bande. Donc, j'ai mis de l'enduit, j'ai posé la bande qui est à moitié sur le chambranle, à moitié sur le placo, et de la lisse. C'est le moment de commencer à ratisser. C'est parti, on y va. Comme d'hab, rouleau à enduit. C'est un poêle spécial, attention, c'est pas un rouleau classique. Rouleau à enduit, poêle spécial, mais pas classique. Comme ça, vos enduits seront de poêle. Des petits fils plastiques comme ça qui vont retenir l'enduit. On prend un enduit de lissage. Moi, c'est le Placomix Finition. Enduit de lissage Placomix Finition. Enduit prêt à l'emploi de surfaçage pour la préparation des supports avant travaux de peinture. Et est un enduit de qualité avec Placomix. On vient l'appliquer au rouleau et on vient lisser avec la large lisse parfait lisse. Large lisse parfait lisse. Parfait pour lisser vos enduits avec sa longue lame de... Oh bordel, j'en ai marre de faire des fausses pubs. Je vous mets tous les liens dans la description comme d'hab si vous avez envie de retrouver ces outils. Let's go, on y va. Sans plus attendre, j'en ai ras le cul de ces enduits. On n'a jamais eu un si bel arrondi. Hein. C'est canon. J'ai un skill d'enduit là, maintenant je suis. Le bricoleur peut dans le faire. Le bricoleur. Oui, on Ça y est, c'est ratissé. Ratichage extérieur terminé. Ratichage. Je les ratiche boisés. Ah, ça fait du bien. Bon bah après un petit ponçage, ce sera parfait. Oh, ça fait du bien. On va aller voir ce que ça donne de loin. Bah c'est pas mal. Pas mal du tout, du tout, du tout, du tout. Pas mal, non, c'est français. T'as beau dire, le ratissage, c'est la vie. Quand ton appareil photo, il arrive pas à faire le focus, c'est que t'as réussi ton ratissage. Ça, c'est un bon signe, d'accord? S'il fait le focus, c'est qu'il y a des défauts. Méfiez-vous des focus. Beaucoup trop de focus sur cette planète.